Sozi z'inyamirazo niho biri guturuka abandi bari kubasubiza baherera mu musozi w'ikinduze ariko abandi bari gukubitira amasasu muri nyamirazo ntabwo twamenya ngo ni ibiki mena abazalendo niho bari gusubizanya amasasu na M23 Fidèles téléspectateurs de Congolais Télévision, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo et même en dehors de nos frontières, à ce net moment, comme nous sommes en train de dire, et bel et bien, comme vous le savez, que nous sommes là pour vous servir l'information et la bonne information sur le Congolais Télévision. Très urgent dans la partie est de la République démocratique du Congo, guerre Wazalendo M23, violent combat. C'est vendredi et 22 décembre entre M23 et résistants Wazalendo sur l'axe Matanda, Bihambwe, près de Rubaya. Rubaya que nous savons que c'est une ville stratégique et ces affrontements ont repris ce vendredi. On se rend compte que la situation est en train de s'empirer de l'autre côté. Et depuis 10h jusqu'à 14h et repris à 15h jusqu'à tard dans la soirée, c'était hier et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les affrontements entre les rebelles du M23 et les jeunes résistants patriotes Wazalendo ont été signalés dans la localité de Lupfunda, village de Basumba, dans le groupement de Bachali Mkuto, en territoire de Masisi. Dans ces mêmes territoires, un déploiement et relève de militaires M23 est signalé depuis 3h et un camion de marque Fuso rempli de militaires et un tracteur avait quitté Kichanga pour Kabati et deux camions et des tracteurs ont fait une navette de M23 jusqu'à Kabati Kiloriwe et toujours pour y déverser des militaires. Là, c'est la situation de notre correspondant là sur place qui nous a renvoyé quelques repositionnements de rebelles de M23 et ils sont en train de conquérir des villages dans la partie est de la République démocratique du Congo. La grande question, c'est de savoir, le président de la République avait dit à moindre escarmouche, il va réagir, il va réunir le Parlement en congrès pour déclarer la guerre contre Paul Kagame. Est-ce c'est maintenant ces mots lui rattrapent, c'est le destin qui lui rattrape et quelle serait la réponse du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, comme on laisse télévision, nous sommes au cœur de l'information. Nous avons pour vous, nous avons reçu pour vous un fils notable de la partie est de la République démocratique du Congo, Lucha, et dans ses plusieurs casquettes, leader d'opinion, éveil patriotique. Il est là, ensemble avec lui, nous allons décrypter l'actualité, analyser cette situation et attendre quelle serait la réponse farouche du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quant à un moindre escarmouche de la part du rebelle de M23 RDC. Et nous sommes bel et bien avec Monsieur Espoir. Nous allons partager ses actualités. Monsieur Espoir, bonjour. Bonjour à messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Voilà, comme vous le savez aujourd'hui, vous qui êtes de l'autre côté de l'Est de la RDC, vous êtes Lucha, vous palpez la réalité du doigt, vous faites l'éveil patriotique, vous réveillez la population de Goma quant à la lutte contre la balkanisation de notre pays aujourd'hui. Et la situation qui se passe dans l'Est de la RDC laisse perplexe les peuples congolais. Quelle analyse pouvez-vous faire avant d'entamer les thématiques énoncées? Comme vous le savez,
La ville de Goma se porte à merveille, puisqu'on s'est tous réveillés calmement, puisque les gens pensaient peut-être que comme la population congolaise venait de gagner la première bataille, qui est celle d'organiser les élections, peut-être ces petits Rwandais devraient surgir et attaquer la ville de Goma. Mais grâce à la détermination populaire, la situation est tellement calme. À Lubumbashi, même chose, et à Ituri, même chose, c'est que sauf les zones sous occupation de ces petits terroristes, de ces petits Rwandais, mais quand même les jeunes tiennent fort, ils ne baissent pas garde. C'est un devoir civique, c'est un devoir qui nous avait été légué par nos héros nationaux de ne jamais laisser même une lopée de terre de partir. Et on ne peut pas croiser les bras tant qu'il y a encore ces petits terroristes qui occupent certains de nos territoires. Aujourd'hui, M. Espoir, deux nouvelles localités de Masisi passent sous le contrôle du M23. Est-ce que cela vous dit quelque chose, M. Espoir? Exactement. Ça, comme vous le savez, nous sommes en guerre non seulement par ces petits pays minuscules, mais nous sommes en guerre contre la maudite fameuse communauté internationale. Nous sommes en guerre contre la petite Amérique, la petite France. Le maudit Angleterre, c'est que nous sommes en guerre contre ce conglomérat d'aventuriers. Et ces gens, ils ne devraient que passer. Moi, je me préparais toujours à ça, et d'ailleurs, moi, je m'attendais à une grande guerre, plus que ce que nous vivons, puisque, comme vous le savez, il y a un défi qui leur a été lancé par les commandants de cette révolution populaire, en l'occurrence le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que nous saluons même son courage et bravo en passant, et César, elle ne devrait que penser au combat. Mais moi, ce que je ne peux dire à la population, ce n'est pas la guerre de Félix Antoine Tshisekedi, puisque Félix est venu, il a rencontré le pays, et Félix partira, toi et moi, tous on partira, et on va laisser ce pays. C'est la guerre de la population congolaise. Tenez, l'histoire se répète. Mouzin Laurent Désiré Kabila l'avait dit, cette guerre doit être populaire pour dire que tous nous devons participer. Et Mouzin avait lancé une pensée, je ne sais pas si les Congolais, la plupart des gens s'y rappellent, Mouzin avait dit, les Rwandais sont chez nous, ils nous agressent, ils ne nous disent pas pourquoi ils sont chez nous. Mais lorsque nous, on sera chez eux, ils nous diront pourquoi ils sont chez nous. Et moi, je crois que Félix Antoine Tshisekedi, il incarne cette philosophie de Mouzin Laurent Désiré Kabila de vouloir ramener la guerre de là où la guerre est venue. Mais tous, nous devons participer, puisque, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas la guerre de Félix, c'est la guerre qu'on fait à tous les citoyens congolais. C'est notre souveraineté qui est menacée. Et c'est pourquoi tous, nous devons concourir pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Attention, qui veut... les omelettes cassent les œufs. Ne croyez pas que quand on a gagné l'indépendance, c'était comme ça. Non, c'était au prix du sacrifice suprême. Et nous aussi, nous devons comprendre. Pour gagner la paix, pour arracher notre souveraineté nationale, internationale, nous devons accepter tous de mouiller notre maillot. J'ai vu les citoyens le faire le 20 décembre, voire même jusqu'au 21. Ils ont corrigé la communauté internationale et qui pensaient que nous ne sommes pas à mesure d'organiser les élections. Et c'est de la même manière que nous devons nous unir encore une fois, nous devons nous mettre encore ensemble pour encore corriger non seulement ces petits criminels rwandais, mais aussi à leur patron, ces petits Français, ces petits Américains, ces petits Anglais. Alors, la situation reste tendue. Combat M23, RDF, Wazalendo, affrontement depuis le matin dans le village de Busumba, en territoire de Masisi. Le M23, RDF ont attaqué la position de Wazalendo de Busumba. Ils ont également attaqué les villages de Nyamirazo et les environs de Mushaki, Busumba et Burembo. La société civile locale dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est, disons, la facilité aujourd'hui de M23, parce que cessez-le-feu a permis au M23 de se repositionner, de venir renforcer leurs effectifs, tandis que Wazalendo et la force loyaliste étaient en train d'observer le cessez-le-feu. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée loyaliste, le Wazalendo,
peuvent toujours rester dans ces jeux-là de cesser le feu aussi longtemps que l'ennemi est en train de renforcer ses positions. Moi, je le dis chaque jour, le cesser le feu ne concerne pas les citoyens congolais. Or, les Oisalendo sont des citoyens congolais. Le cesser le feu concerne les acteurs politiques. Le cesser le feu concerne les militaires officiels. Mais les Oisalendo sont des fils du terroir et ils ne peuvent pas respecter le cesser le feu puisque aucun blanc ne viendra mourir pour la cause congolaise. Aucun Français, aucun Américain ne viendra prendre les armes pour combattre afin que notre territoire soit libéré. C'est que nous sommes les enfants du terroir et nous devons accepter de nous sacrifier pour que nous puissions libérer notre territoire. Ce comportement ne commence pas aujourd'hui. Depuis CNDP, RCD, M23A, jusqu'à nos jours, ils nous disent cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. Mais attention, lorsqu'on parle de cessez le feu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare en termes de dialogue. Et quand on parle de dialogue, on parle de concessions. C'est que vous allez concéder et eux aussi vont concéder. Mais les citoyens congolais, mais peut-être, puisque vous n'avez jamais été au Nord Kivu, et voir comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que vivent nos mamans, vivent même nos petites sœurs, même des personnes de troisième âge, des vieillards violés par ces petits Rwandais. Et puis, nous allons encore accepter de respecter les cessez-le-feu. Aucun jeune citoyen digne de son nom, aucun citoyen peut aujourd'hui accepter que nous allons observer les cessez-le-feu. Moi, je crois que ce sont des discours diplomatiques, des discours qui ne comptent pas. Vous n'allez pas dire à mon père qui a accepté de prendre l'arme pour protéger ma mère, mes petits frères et nos biens, de déposer les armes au nom du cessez-le-feu. Vous n'allez pas dire à mon compatriote Dekichiche qu'on a tué sa maman et ventré à sa grand-mère, lui dire de déposer les armes au nom du cessez-le-feu. Non, les jeunes, nous allons combattre. Je suis sûr et certain, puisque nous alertions depuis le 20 décembre sur l'entrée massive des militaires rwandais sur les sols congolais. Je crois que les autorités avaient aussi pris des mesures. Nous allons combattre et je suis sûr et certain que la République doit prendre ses responsabilités. Et parmi ses responsabilités, je vois la volonté du chef de l'État, la volonté populaire de ramener la guerre là où la guerre est lève. C'est que nous, on ne peut parler que de cesser le feu, mais nous, on ne peut pas. Ce sont des discours. Et comme vous le savez, dans les dits, il y a les non-dits. Dans le dit, il y a les non-dits. Vous êtes en train de parler du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je serai vraiment dans l'obligation de vous poser cette question parce que je crois bien que c'est beaucoup de Congolais qui sont en train d'attendre la réaction et surtout la réponse de cette question. Monsieur Espoir, aujourd'hui, en suivant la campagne électorale, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kinshasa, Anjili, avait dit cela, que je vais déclarer la guerre contre le Rwanda, à moindre escarmouche, je vais déclarer la guerre. Il est allé chez nos confrères de Top Congo avec, je salue, Christian Lusako et Noampa, la réalité du droit. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas c'est un déclenchement que Paul Kagame a déclenché en écoutant Félix parler qu'il va déclarer la guerre? Lui, il a précédé Félix. En fait, comme vous le savez, nous défendons notre territoire. Et comme nous défendons notre territoire, nous avions rencontré cette République. Dieu avait choisi que nous puissions être des citoyens congolais. Je n'écarte pas même le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il avait aussi rencontré cette République. C'est que le devoir de déclarer la guerre contre le Rwanda, oui, il est le commandant suprême, mais tous nous devons comprendre qu'on a le devoir majeur de défendre notre territoire. Tenez, si ces petits Rwandais parvenaient à prendre aujourd'hui la cité minière très stratégique de Rubaya, et je rappelle d'abord à nos téléspectateurs que c'est à Rubaya où on produit aujourd'hui au moins 80% du coltan utilisé par ces voleurs français, au moins 60% du tourmaline utilisé par ces petits blancs, voyez-vous. Et ils doivent tout faire pour que ces gens entrent là-bas. Mais attention, ce n'est pas Félix et celle qui bénéficie de ceux qui quittent Rubaya. C'est moi, c'est toi, c'est tout le monde, c'est tout citoyen congolais, puisque nous bénéficions de ces taxes, nous bénéficions. Et regardez aujourd'hui, combien coûte aujourd'hui les kilos de la viande à Kinshasa? C'est très cher, tout simplement, puisque ces petits Rwandais, ils ont accepté d'abattre les vaches qui se trouvaient dans les Masisi. C'est que nous avons tous le devoir de protéger
l'intégrité territoriale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est notre raison d'être à Kinshasa. Cette guerre, il doit y avoir la participation populaire. C'est tout ce que nous devons participer. Avec votre caméra, avec votre stylo, votre téléphone, les biceps que vous avez, nous devons mettre ça au service de la République. Je pense qu'Agamé n'a pas dévancé le chef de l'État. Kagame ne joue qu'aux provocations. Et comme il joue à la provocation, attention, nous sommes aujourd'hui une population très éveillée. Nous sommes un peuple déterminé pour défendre l'intégrité territoriale. Et la réponse du président Félix est attendue dans l'Est de la RDC. La population de l'Est de la RDC attend la réaction du président Félix. Attendez, la réaction du président Félix, je ne pensais pas que, que le chef de l'État passera du jour au jour à des médias pour dire ça et ça, non. Attendez, le chef de l'État a des représentations dans toute la République, voyez-vous. C'est qu'il a dit et nous attendons maintenant des réactions. Et je parie que même, il y a une réaction qui est déjà en cours. Puisque si les jeunes ne se mettaient pas debout, si Félix ne mobilisait pas les jeunes pour se mettre debout, attention, ces petits Rwandais devraient être partout là où ils voulaient. Mais vous vous rappelez de l'histoire du CNDP, AFDEL, RCD. Bon, vous, vous êtes ici, nous nous sommes sur le terrain, nous savons ce que ça nous a coûté. C'est que ce qu'a dit le chef de l'État sur Top Congo, je crois que c'est en pleine exécution. Et nous ne devons qu'être patients, nous ne devons qu'attendre comment est-ce que les grandes opérations vont commencer. Et d'ailleurs, les grandes opérations, c'est toujours en cours. Attendons, nous allons. Peut-être les gens attendent qu'on puisse réunir le Congrès, c'est ce que les gens attendent. Mais le Congrès peut être ou ne pas être réuni. L'essentiel, quel est le mot de passe qu'utilisent les citoyens? C'est que nous, les Bantous, nous devons tout simplement aussi apprendre la discrétion. Nous devons aussi apprendre à mener des opérations d'une manière secrète. Et ces opérations sont toujours en cours. Je ne peux qu'appeler les gens à la patience, puisque les choses se passent très bien. Vous pouvez appeler les gens à la patience. Vous êtes Lucha, vous êtes dans l'Est de la RDC, vous palpez la réalité du doigt. Quand vous regardez toujours la situation s'empirer dans l'Est de la RDC, aussi longtemps que nous sommes en train de voir la montée en puissance de notre armée loyaliste FARDC, la présence de Wazalendo, mais nous sommes en train de se rendre compte qu'il y a toujours des villages qu'on est en train de perdre, les territoires qu'on est en train de perdre. Et c'est par quel mécanisme que ces rebelles utilisent pour récupérer et prendre en otage nos villages? En fait, ça s'est dit, qui veut la paix prépare la guerre. Et nous, ces gens, nous avions fait au moins à peine 30 ans, ces gens contrôlaient l'Est de la RDC. Et dans les 30 ans, attention, ces gens, ils se préparaient pour comment mener des opérations en fait de récupérer une lopée de terre à l'Est de la RDC. Et Félix est venu quand ces gens, ils existaient déjà. C'est que Félix est venu quand ces gens, ils avaient déjà 30 ans qu'ils exerçaient leur violence en RDC, 30 ans où ils pillaient les ressources de la RDC. Et Félix, lui, il a pensé, avec d'autres citoyens que nous saluons, leur courage, qui maîtrisent l'Est et la République en général, ils ont cru qu'il faut qu'il y ait une nouvelle politique, et cette politique qui devrait aider la RDC à recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Ces villages dont vous parlez, que nous perdons de village en village, attention, ces foutreaux, ces blessés de guerre de chaîne chasse Makenga, il a fait combien de mois dans les Massissi? Il a fait des années, plus de 4 ans, 5 ans, dans les Massissi avec CNDP. C'est que c'est quelqu'un qui maîtrisait cette zone et qui avait ses patins au sein de l'FARDC. Si vous vous rappelez très bien, combien de zones qui ont été vendues, cédées par certains officiers? C'est qu'on avait une armée commanditée, non seulement par James Kabarebe, comme vous le savez, à l'époque de l'AFDEL, Kabarebe était chef d'état-major général au Congo et chef d'état-major général au Rwanda. Dans l'entretemps, il avait ses officiers, et je parie qu'il y aurait même d'autres officiers au sein de l'FARDC qui collaborent directement avec les Rwandais. Bon, je pense qu'avec l'avancée technologique, la RDC réfléchit sur comment identifier toutes ces personnes-là. Si on n'avait pas de traîtres, si on avait une armée composée par des Wazalendo tout fait, normalement, on ne devrait pas perdre des villages comme les villages se perdaient à l'époque.
Mais attention, quand les jeunes se sont éveillés, quand les jeunes, et même certains militaires sur les lignes de front, ils ont dit, tel officier, tel officier, tel officier. Et c'est comme ça, vous voyez, aujourd'hui, il y a récupération à récupération de certains villages. Vous avez vu, dans moins de 24 heures, les jeunes avaient mis dehors ces petits Rwandais dans les Masisi. Et je suis sûr et certain qu'en dépit des trahisons qu'on a connues, il y a eu l'adaptation des stratégies. Je ne suis pas du secteur, ou bien je ne travaille pas avec ceux-là qui sont au niveau de la défense et sécurité, mais je suis sûr qu'il y a eu adaptation, on a adapté nos méthodes, et je suis sûr et certain que nous avons aujourd'hui les commandants à mesure de parer contre toute éventualité. Est-ce que Félix Attaché Tshisekedi va déclarer la guerre contre le Rwanda? Je vous dis, nous sommes nés dans la guerre, grandis dans la guerre. Nous n'allons pas mourir dans la guerre. Et attention, faire la guerre, ils ne font pas seulement déclarer la guerre. Il y a la guerre qui est en cours. Peut-être qu'il fallait dire, est-ce que Félix va améliorer les conditions de combat? Puisque pour mener la guerre, il y a quelques conditions qui doivent être réunies. Maintenant, je ne suis pas son communicateur pour le dire, mais moi, je suis sûr et certain qu'il y a l'amélioration du jour au jour sur les champs de bataille. Attention, nous avions des Sokoï aujourd'hui qui entrent Angers. Nous avions des bombardiers aujourd'hui qui entrent Angers. Aujourd'hui, il y a des militaires qui mangent matin, midi, soir pour combattre. C'est que nous sommes en guerre. Il ne nous reste que continuer toujours à performer, continuer toujours à améliorer notre système de combat. C'est que la guerre est là. Il n'est plus question de déclarer. La guerre est là et nous allons gagner cette guerre. Il y a beaucoup de questions auxquelles nous, on ne voulait pas étaler sur la toile publique, mais je suis sûr et certain qu'il y a amélioration et il y a des mesures prises pour barrer route à ces aventures. Nous devons mettre fin au karaoké de M. Paul Kagame et nous allons y arriver. Est-ce que c'était pas un message de propagande que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a dit à la place, il y a mis à la place publique et aujourd'hui il a la cause qui est bon, déjà sur terre. En fait, la politique, c'est comme les fiançailles. Trump qui peut, mais je ne dirais pas que Félix faisait ça pour des comptes propagandistes. Non, Félix a fait ça puisque il a dit que la vérité. Et dire qu'il va déclarer, il va réunir le Congrès en fait de déclarer la guerre au Rwanda. La guerre d'abord est là. Il voulait expliquer seulement ceux-là qui ne veulent pas entendre. La guerre est là et il améliore. En fait, la guerre a été déjà déclarée. Et nous allons plutôt y arriver. Lui ne voulait que faire comprendre aux citoyens congolais qu'il y a la guerre et tous nous devons nous mettre ensemble pour gagner la guerre. Puisque tout ce que peut dire le chef de l'État, il est dit au nom de tous les citoyens congolais. Et ce qu'il a dit, c'est tous les citoyens qui l'ont dit. Maintenant, nous, il ne faut plus question d'attendre. C'est à toi de te préparer, comment prendre tout ce que vous avez pour barrer route à l'ennemi. Il a fait ce qu'il a fait comme citoyen. Il continue à le faire comme commandant et garant de la nation, voyez-vous. Et je suis sûr et certain qu'on va arriver plus loin de ce que nous avons déjà fait. J'ai dit nous, comme les citoyens congolais, à travers les commandants de cette révolution populaire, le chef de l'État, et j'entends ce qu'il dit, que nous saluons en passant. Voilà, la situation est vraiment tendue dans l'est de la RDC. Nous devons croire à la réaction de l'armée loyaliste et le FARDC et même à nos jeunes compatriotes Wazalendo. Déjà, et s'il faut dire un mot à cette heure au Wazalendo, même à l'armée loyaliste, ça sera quel mot? Ouais, soutien total, nous les soutenons. Ils ont toujours notre bénédiction. Ils ont la bénédiction céleste, mais aussi, au lieu, puisque chaque jour, nous leur disons que nous les soutenons. Aussi, j'aimerais plutôt dire aussi à la population, nous devons comprendre quel est notre devoir, quel est notre degré de participation dans cette guerre. Nous, je vois à Goma, nous portons les vivres, les non-vivres à l'armée. Nous portons même l'eau à boire à nos jeunes d'autodéfense Wazalendo. Nous portons tout ce qu'on trouve qui peut leur être utile. Ça, c'est dans le cadre de leurs encouragements. Et j'aimerais aussi que la population d'ici à Kinshasa, que nous puissions participer dans cette guerre. Participer dans cette guerre, c'est d'aider le chef de l'État à mettre fin à cette histoire. Et mettre fin à cette histoire, c'est pas seulement chanter pour lui dans la rue, dans des rues, non. C'est aussi contribuer aux efforts de la guerre. Et les efforts de la guerre, c'est nous, les jeunes, devons comprendre, on doit aller combattre.
Si on ne peut pas aller combattre, contribuons avec tout ce qu'on peut avoir, afin qu'on ramène à ces jeunes qui combattent. Il y a aujourd'hui une structure de réserve militaire, on peut contribuer là-bas. Il y a des jeunes qui récoltent les dons pour les jeunes d'autodéfense qui sont sur les lignes de front. Amener, on les applaudir. Non, c'est aussi participer massivement. Nous soutenons nos compatriotes qui sont sur les champs de bataille. On ne laissera jamais, on participe dans cette guerre. Et on aimerait que tous les citoyens de la RDC, même voire même notre communauté internationale, puisque moi je me dis souvent, notre communauté internationale, c'est notre diaspora. Nous devons participer. Cette guerre a beaucoup de facettes, non seulement économiques, mais aussi il vise à balkaniser notre pays. La fierté de l'homme congolais, c'est ce grand pays, c'est cette immense république que nos ancêtres nous avaient léguée. Quelle fierté qu'on aura si ces petits Rwandais parvenaient à balkaniser notre pays. Nous devons nous mettre debout tous comme un seul homme afin de gagner cette guerre. Voilà, nous allons changer de chapitre pour parler et chuter aussi à ce qui concerne les élections en République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui la date du 22 décembre 2023. Nous sommes vendredi 22 décembre 2023 où la CENI, par le biais de son président Denis Kadima, a promis de publier provisoirement les résultats à ce qui concerne l'élection présidentielle. Aujourd'hui déjà, nous les saurons provisoirement dans chaque province qui a gagné et bel et bien ces élections déjà. Aujourd'hui, moi j'ai vu une très grande participation, j'ai vu un grand engouement et je pense que ça c'est très important. Les gens ont été patients dans la file et il y en a même malgré tout ce qu'il y avait comme temps d'attente et tout ça, qui étaient très enthousiastes malgré tout. Et moi-même quand je suis allé voter, parce que je suis aussi électeur, quand je suis allé voter, j'ai vu vraiment que les gens étaient même contents de venir poser leurs problèmes et je n'ai pas senti une quelconque hostilité. Je pense que, peut-être parce que beaucoup de gens ne croyaient pas que nous aurons des élections, je vois qu'il y a une très grande joie, il y a de l'enthousiasme, je n'ai pas senti une quelconque négativité. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Bien entendu, nous sommes déçus quand même qu'il y ait eu un certain nombre d'actes de vandalisme dans un certain nombre de places à travers le pays. Mais n'empêche, c'était un grand moment. Et pour moi, ça me donne de l'espoir. Ça montre que les Congolais ne vont pas aux élections par contrainte, mais ils sont convaincus, c'est par conviction qu'ils le font. Ils croient profondément en la démocratie. Élection 2023. Depuis de cela, les États-Unis renouvellent leur appel à des élections libres et justes, conduites dans la transparence et dans le cadre d'un processus électoral inclusif. Nous n'hésiterons pas à pointer du doigt les irrégularités qui portent atteinte, et selon nous, au processus démocratique et à la volonté du peuple congolais. Une déclaration faite par un porte-parole du département d'État des États-Unis. En fait, il ne s'agit même pas de rappeler aux Américains que nous sommes un pays démocratique, et que nous sommes un pays indépendant et souverain. Il ne s'agit même plus question de rappeler aux Américains qu'on appelle les citoyens congolais les souverains primaires. Et il ne s'agit même pas question de les appeler que personne n'ose mettre son nez dans leurs problèmes. J'ai vu aux États-Unis, ils organisaient des élections plus chaotiques du monde. Et d'ailleurs, c'est un peuple voyou, puisqu'on ne comprend pas comment est-ce que vous avez un jour vu les citoyens ici prendre notre cour constitutionnelle en otage avec les armes? Non, mais vous avez vu aux États-Unis comment est-ce qu'ils ont pris leur Capitole en otage avec des armes. Il y a même les citoyens américains qui ont chié sur les drapeaux américains. Ça ne se passe pas chez nous. Nous sommes un peuple discipliné et nous appelons aux Américains de respecter notre souveraineté. Les citoyens congolais, ils se sont prononcés d'ici le 20 décembre. Par contrainte, nous sommes allés même jusqu'au 21 et ils doivent respecter ce que la population congolaise a dit. Et oui, je sais que ces élections étaient des élections qui allaient dans le sens de réclamer notre souveraineté, puisque nous mettions en garde ces petits Américains de ne pas s'ingérer. Et d'ailleurs, on remercie aussi les autorités du fait qu'ils ont fini par comprendre
qu'ils doivent tourner les, ils doivent venir en aide de ceux pour chercher le pouvoir et chercher le pouvoir ailleurs. Qu'ils communiquent tout ce qu'ils peuvent communiquer. Les citoyens congolais nous sont prononcés le 20 décembre. On peut mettre en garde M. Kadima. Il doit afficher ce que les citoyens congolais ont dit le 20 décembre. Le 20 décembre, les citoyens, ils ont voté les fils de la RDC. Bon, je ne suis pas la CENI pour proclamer les résultats, mais nous savons, puisque nous suivons comment est-ce que ça s'est fait, ça s'est passé partout. Et les Congolais, si Kadima ne proclame pas les victorieux et qui est les fils de cette République, moi je pense que Kadima peut avoir la guerre contre la population. Les Américains, ils doivent attendre leur candidat là-bas chez eux. Et nous allons célébrer la victoire de notre candidat ici au Congo. Voilà, la technique va nous illustrer Didi Manara, qui est le deuxième vice-président de la CENI, qui a fait compte rendu à la population congolaise. Moi, je vais juste montrer l'extrait, mais la technique va illustrer. Je n'ai pas connaissance qu'il y a eu bourrage des urnes. Je sais qu'il y a parmi les candidats des inciviques, mais ils ne savaient pas, par exemple, pour la plupart, ils sont allés se ruer sur des machines qui n'étaient pas dans les bureaux de vote. Or, c'était des machines réserves, c'est-à-dire les dispositifs électroniques de vote réserve. Mais pour les ouvrir, il y a toute une démarche à faire. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces machines-là. Je ne sais pas. Avec qui répondez-vous justement à la 5? Voilà, là, c'est la situation. La situation, bien sûr, il va nous illustrer un peu, suivre un peu ce qui est venu après. Mais première tendance des résultats, nous allons écouter. Moba, c'est dans le Tanganyika. Dans le Tanganyika, en tout cas, avec le monitoring de 18h, en tout cas, le monitoring me renseigne que dans le Tanganyika, nous sommes à 100% de déploiement de matériel. Lorsque nous parlons de déploiement, c'est-à-dire au niveau du bureau de vote. Quand est-ce qu'on aura les premières tendances? C'est demain. Demain, parce que les élections se terminent aujourd'hui. Et demain, nous commençons la compilation et l'exhibition des résultats sur le tableau qui est derrière moi. Donc, les premières tendances, nous les aurons demain. De toutes les façons, la population elle-même a déjà les premières tendances. Prenez par exemple la diaspora. On a déjà tout affiché. La loi nous exige que nous puissions afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. Il y en a qui doutaient, mais nous l'avons fait. Tout le monde peut aller en ville, tout le monde peut voir. Les résultats sont là. Oui. Voilà, là, c'était l'interview accordée hier, mercredi 21 décembre. Aujourd'hui, c'était jeudi 21 décembre. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 22 décembre. C'est aujourd'hui que les résultats provisoires sera dit par la CENI. Et là, nous allons déjà attendre et nous allons connaître déjà qui a plus de pourcentage que les autres. Alors, Monsieur Espoir, nous allons chuter par ici. Lorsque vous regardez aujourd'hui la CENI publier provisoirement les résultats, vous vous attendez à qui? En fait, moi, je ne suis pas le représentant depuis des 10 millions de citoyens congolais. Je suis sûr et certain que les Congolais, ils ont voté leur fils. Ils n'ont pas voté les candidats de l'étranger. Et je crois qu'ils ne peuvent que s'attendre à jubiler et à danser demain. On attend d'abord qu'on puisse afficher. Et je crois que ceux-là qui ont échoué, ils vont respecter la décision du peuple. Ils doivent respecter ce que les souverains primaires ont dit. Si vous avez échoué, acceptez sportivement. Préparez-vous pour les années 2018, mais aussi dans l'entretemps, j'appelle aux citoyens congolais. Si c'est ton frère, si c'est ta soeur, si ce n'est pas ton ami, s'il a échoué, vous ne devez que les consoler en attendant 2028. Et s'ils n'ont pas la nationalité congolaise, dites à eux de savoir chercher la nationalité congolaise, puisqu'il est exigé pour devenir chef de l'État dans ce pays, tu dois être congolais de souche. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Espoir. Déjà, je signale qu'on a débriefé l'actualité dans la partie est de la République démocratique du Congo, où cette partie est menacée. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait
avait promis un moindre escarmouche. Il va déclarer la guerre. On est en train d'attendre la réaction du chef de l'État face à cette situation dans l'est de la RDC où les rebelles ont accaparé 4 territoires, c'est déjà beaucoup, et 4 villages, c'est déjà beaucoup. On attend la réaction du chef de l'État qui a promis à la population quinoise en Djili à la fin de sa campagne. Et il a promis même dans les ondes, dans les antennes de Top Congo, qu'il va rassembler le Parlement, il va rassembler le Parlement en congrès et demander à ce qu'il puisse déclarer la guerre à moins d'escarmouches. Il y a déjà l'escarmouche qui est touchée et 4 villages est pris entre les mains des rebelles de M23. Cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes en train d'attendre votre réaction et votre réaction vaut de l'or pour confirmer vos dires, pour confirmer vos paroles et que la population congolaise puisse se dire réellement qu'il peut compter sur vous pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Monsieur Espoir, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin. Soutien total à nos jeunes d'autodéfense Wazalendo qui s'affrontent contre ces petits Rwandais. Soutien total à nos FRDC, mais aussi j'appelle toujours à la population congolaise en général, particulièrement celle de Kinshasa. Vous devez accepter de participer dans cette guerre puisque c'est notre guerre, c'est pas la guerre de Félix et celle, c'est pas la guerre de l'Est et celle, c'est la guerre de la République démocratique du Congo. Nous sommes en guerre contre la petite Amérique, France, l'Angleterre, la maudite communauté internationale en général. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que tous nous devons nous unir comme un seul homme afin que nous puissions remporter cette guerre. On ne peut pas s'attendre seulement que le chef de l'État puisse réunir le Congrès, mais puisque la guerre est déjà là, et comme la guerre est là, il ne faut que continuer à améliorer notre système de combat afin de gagner cette bataille. Ensemble, nous allons gagner. Ensemble, nous allons gagner. Là, c'est que la population congolaise est en train de se dire dans son sein. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Vous connaissez que Congo Live Télévision termine toujours l'émission par cette partie que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui arriverait à la République démocratique du Congo si le président Félix fait sourde oreille face à la situation de l'Est de la RDC? Je suis sûr qu'il ne peut pas faire sourde oreille puisque c'est un enfant de la République. S'il était un étranger, on pouvait accepter qu'il va faire sourde oreille puisque il y a d'autres qui seraient contents que le Congo soit balkanisé. Mais lui, étant fils de cette République, ne peut pas accepter qu'une portion de terre ou bien une lopée de terre puisse appartenir aux étrangers. Vous savez, cette guerre a beaucoup de facettes économiques, mais comportement de vouloir balkaniser le Congo. Et je suis sûr et certain, s'il faisait sourde oreille, il peut se heurter vraiment, il peut se raconter avec la population. Et ce soir, en écoutant la CENI déclarer que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est réuni, quel serait votre dire? Moi, personnellement, je crois, si Tshilombo, c'est pas que tu se demander d'abord si, puisque nous avions vu comment est-ce que les gens se sont exprimés. Vous le savez, ces élections, ce sont des élections panafricaines, des élections visant à réclamer notre souveraineté nationale et internationale. Je suis sûr et certain qu'à l'Est, il a gagné au moins à 80%. Je ne sais pas à l'Ouest et autre part, c'était comment. Mais lui proclamer, c'est ça, le vœu de la population. Peut-être qu'il fallait dire si on parvenait à entendre que quelqu'un d'autre l'a remporté. Or, vous le savez que ceux-là qui s'étaient alliés ensemble, la plupart d'entre eux, ils ont des mauvais souvenirs. Il y a ceux-là qui sont partis avec les plus de 340 millions. Est-ce que la lutte sera contente? Il y a la lutte RDC Afrique et la lutte RDC. Moi, personnellement, comme citoyen, je ne serais que content. Puisque la population de l'Est aussi sera contente. Exactement. Je serais content de voir que la personne à qui j'ai porté ma confiance à remporter les élections. Et si c'est Moïse Katumbi? Bon, ça c'est dans les rêves peut-être, je ne suis pas la CENI.